bien. On est bien. Ah là. On est bien. Oh ouais, non, tu fais passer ton truc. Oh, c'est compliqué ton micro là. Ah, il est de l'autre côté là. Ouais, ça se passe derrière. Bon, alors dépoussiérer tout ça, frérot. Ouais. Ça me fait de la peine là. Je le vois pas le micro, frérot. Mais t'es noir. Je suis quoi, je suis noir. T'es noir. T'es raciste. Et hop. Record. Voilà. Il a pas compris. Vas-y. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec le cocorico. Ah oui, salut. Voilà. Ah ouais, salut, désolé. On va le remettre de pied ferme sur le YouTube game. En plus, il a un setup de ouf. Donc là, je suis à Nantes. Nantes qui est la ville la plus dangereuse de France. On le rappelle. Je sais pas quand sortira cette vidéo par rapport, mais bon. Ah bah oui. Bon, là, monsieur, c'est très bien. Oui. N'allez pas à Nantes, c'est très dangereux. Ah, en vrai, si. Non, mais est-ce qu'on s'est fait. Puis c'est de la merde en vrai. Voilà, moi je voulais passer un bon moment, apparemment c'est pas le cas pour le Gus qui est à côté de moi. Ah si, je passe un très très bon moment. Ah. Mais toi tu vas passer un moins bon moment. Alors ça dépend. Aujourd'hui on va faire un test de pureté, moi vous connaissez déjà que je suis pur, j'ai fait une vidéo qui a vraiment bien marché sur la chaîne, donc ça fait très plaisir. C'est vrai. 300 vues, et donc là on va faire le test de pureté avec Créo. De toute façon je suis pur. Ben vas-y, première question. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Bah oui. Quand t'es petit et puis quand tu connais pas tout ce qui est comme handicap, forcément tu rigoles un peu parce que tu vois que la personne est différente et du coup ah, c'est bizarre comment elle est. Mais c'est totalement débile. Avez-vous déjà ri? Bon bah mentalement. Bah du coup ça va avec. Bien sûr. Voilà. Oh, avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Non, ça m'est jamais arrivé. On m'a posé des lapins. Ouais. Clairement, ouais, puisque là c'était un clapier, là, carrément. T'as la tête de l'emploi. Oui, en vrai, on m'a déjà posé pas mal plus de lapins et j'en ai jamais posé, en fait. Ah oui, oh, bah, bon. Goûter. Goûter, t'aimes bien goûter. Oh, bah, plus que goûter, là. Hein. Ouais, bah, hop, on change pas la souris, quoi. Pendant plus de 48 heures. Plus de 48 heures, ouh, ivre, en plus. Ouais. Ouh, c'est chaud, hein. Si, en vrai, j'ai déjà fait des soirées qui ont... très très prolongé. On a bu quand même un peu d'eau parce qu'il faut s'hydrater. On est d'accord que c'est pas possible d'être ivre plus de 48 heures. Non, vraiment, parce qu'en vrai, ivre, c'est, on est d'accord, c'est quand vraiment t'es pas bien et que t'es bourré. T'es bourré, oui, et tout le long. T'es bourré vraiment au max, quoi. Deux jours, quoi. Ouais. Non, ça c'est pas possible. Ok. Ok. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Oui. Ah, monsieur ne tient pas l'alcool. Bien sûr. C'est l'alcool qui tient pas. Avez-vous déjà. Ah non, quoi? Vous êtes déjà pissé dessus quand vous dites. Ah non. Ah, des jeux à boire. Oh, bah bien sûr. Ça bien c'est sûr, sympa, ça pimente de la soirée. Pour galoche ton ex. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Bah oui, j'ai déjà pris des murs. Aïe, 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 aïe. Ah, midi, c'est l'heure du pastis. Hein. Ah oui. Oh, toi, t'es pastis, toi? Non, j'aime pas du tout l'anis en fait. D'accord. C'est quoi la différence entre le 51 et le 6-9? Bah, c'est une position quoi. Le 51, t'as la tête dans l'anis. Le 6-9, t'as la tête dans l'anus. D'accord. Voilà. Ouais, je me suis déjà vomi sur moi. Ouais, ouais. Mais c'était léger, hein. Ah, t'as déjà bu de l'alcool pour le petit déj? Bah. À part ce matin. La vraie question, on va dire, c'est tu te réveilles, tu te lèves, voilà, et tu bois du petit déj. Bah. Tu bois oui. De l'alcool. Ouais. Ah ouais? Ouais, parce que là, par exemple, il y a eu un festival qui s'appelle Megasen. On se réveille le matin, en plus, il fait chaud et tout. Donc une bière bien fraîche. Ah passe. Ouais, non mais toi t'es... Alors moi je suis fada de bière par contre pour le coup, on va pas débattre d'ailleurs oui. Parce qu'on a un problème avec la bière tous les deux. Heureusement que tous mes potes d'Alsace, vous êtes les meilleurs. Ouf. Mais cela dit, mec... Bon, ils connaissent pas la vraie bière. Vas-y, ferme ta gueule. Cela dit, mec, je suis fada de bière, mais le... Tiens, si j'ai soif, tu te réveilles le matin, il fait chaud. Une bière le matin, c'est un baiser. 10h on est debout, paf, petite bière. Bon allez, c'est bon frère. Du coup oui. Hein. C'est incroyable. Est-ce que t'as déjà dormi dans les toilettes? Oui. Oh là, bah, c'est quoi, dis rien frérot. Okay. Avez-vous même été volontaire pour dormir à cet endroit? Volontaire? J'en ai dit, allez, je dors dans la toilette. Non, c'est pas prévu, souvent. Ah, tu t'es déjà évanoui? Endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Non, jamais. Il est non, très non, sérieux. Je suis plus... moi, quand je me mets des murs, ou quand j'ai vraiment envie de m'éclater, on va dire... certes, les boîtes, c'est cool, tu peux vraiment t'amuser et tout,
Mais il faut faire quand même à la dose attention à la dose d'alcool parce que t'es pas en sécurité en fait, t'es pas chez toi. Quand vous mettez des grosses races, les amis, évidemment vous avez le droit de le faire, mais faites-le que quand vous êtes en sécurité, genre que chez des amis, que à la maison, que quand vous êtes en soirée privée, qu'entre potes. Et ça c'est super important. Moi je suis dans une ville où, bah Grenoble, là en ce moment il y a beaucoup d'histoires que des gens se font piquer en boîte, genre avec des seringues et tout. Donc pour la drogue, si vous êtes trop alcoolisé, vous savez plus trop où vous êtes ou autre, bah forcément vous pouvez pas réagir du tout à l'instant T. Et c'est vraiment trop important, genre, que vous soyez en boîte, au resto, au bar, vous pouvez être un petit peu joyeux, c'est pas le problème. Mais mettez vraiment vous pas une grosse race, c'est vraiment pour votre sécurité. Et même si vous êtes avec des potes de confiance, c'est trop important. Pour un pote, c'est trop dur à gérer et ça gâche la soirée du coup de votre pote si vraiment vous êtes mort. Donc vraiment, je compte sur vous. Mettez-vous mort, vous pouvez, mais chez des potes, en soirée privée, mais pas en... Voilà, c'était l'instant en promotion, voilà. Bon, la voix de la raison quand il est sobre, hein, du coup. Hein. Avez-vous déjà essayé la drogue? Là, on arrive dans la sauce, les amis. Ah oui. Voilà. Ouais, alors, ouais. Juste encore une fois, message de prévention, et ça me fait plaisir de le rappeler, parce que autant l'alcool, c'est, ça reste de la drogue. Oui. Mais la drogue, drogue illicite, les gars, bon, on peut répéter le discours autant de fois, vous savez très bien ce que j'en pense. Mm. Et est-ce que t'en penses de même? Bah oui, après, je peux aussi... En fait, je suis dans les deux parties. Moi, je suis dans la partie où je comprends les gens qui disent « Mais non, mais pourquoi vous faites ça? C'est pas bien, ça nie votre cerveau, ça fait ci, ça fait ça. » Et je comprends aussi la partie qui fume. Ça me fume qu'il y ait cette question, parce que du coup, ça existe. Enfin, c'est pas... Bon, bref. Bah oui, je pense qu'il y a des gens qui ont... Avez-vous déjà saoulé... Non, avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement? Waouh, bah non, mais c'est ouais. Ça, c'est des questions, tu réponds, t'appelles les flics en fait. Bah oui, justement, oui. C'est genre, ça. Je te dis oui. Toi, t'es comme ça, t'arrives, je fais hop là, 17. Oui, bonjour. Non. Ah voilà, t'as eu une hésitation. Non, parce qu'en fait, le temps que je lise la question. En fait, quand je commence à lire la question, je commence toujours par et puis là, je fais ça, je fais ah non, bah non. D'accord. Tu vois? Ok, donc non. Non. Moi, je franchement, si quelqu'un est intéressé, tu es un dieu. Ça paye vraiment pas YouTube. Ah, ouais. Avez-vous déjà été impliqué dans... Ah, impliqué genre en mode forcé? Mais t'es con quoi. Ah, il est con. Ah non, mais genre t'étais lié à un truc comme ça, donc tout simplement. Ah. Parce que tu t'es fait. Oui. Voilà. D'accord. Voilà. Ouais. Non. Hein? Bah non. Ah, hein? Bah non, parce que après faut quand même lui faire plaisir du coup. Hein? Bah jamais. Bah je veux dire par là que. Attends, juste je te fais un mime. Oui. Il s'est jamais passé ça jusqu'à la fin? Genre Pépon jusqu'à. Bah oui. Bah non. Parce que du coup moi je lui disais genre d'arrêter quoi. D'arrête et puis non. Mais non, mais ah ouais, mais faut juste pas qu'elle regarde la vidéo par contre. Non, bah c'est pas vrai. A few moments later. Oui, bah après. Hein. Bah fallait s'en douter. Hein. À un moment donné, mec. Voilà. Impur. Je suis impur. Bah, pourtant, je parle sérieusement. 58% pour l'alcool, 50% pour la drogue, forcément. 35% pour le sexe. Eh, à partir du moment. Où tu ne jouis pas. Ouais, donc, je suis sûr qu'il allait me la ressortir celle-là. Donc 50% l'hygiène, ça va. La morale par contre est pas folle, hein, 24%. Il va falloir en fait travailler finalement sur la. D'accord, donc les psychologues en fait. Ça reste sous le secret professionnel. Oui, c'est vrai. Personne ne le saura. Pas du tout. Il y aura que 300 en vue de toute façon. Ouais, c'est vrai que c'est pas grand chose. Donc voilà. Bah en tout cas, voilà, donc t'es impur frérot. Hein. Bah je suis impur. T'es impur et j'en suis navré. Je suis un pur citoyen. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. De l'alcool. Allons-en. Avec modération. Et de fumer de la drogue. Je rigole. C'est pas bien. Tri. Bon bah merci à vous. Au revoir. Big up. Abonnez-vous, likez et partagez parce que 300 vues c'est pas assez. On est où là? Oh. Ouais, il y aura 300 000 vues. Comme faites des, je sais pas, partagez sur TikTok à vos grand-mères et à tout ce qu'il faut. Et à vos toutous. Et à votre plus grand ami de votre enfance. Partagez ça dans le monde entier. On se retrouve sur Mars. Abonnez-vous, likez, bisous. Elon Musk. Vous êtes vous déjà masturbé en pensant à votre acolyte préféré? What? What? Pourquoi il y a cette question-là dans ce jeu? Bah, après je sais pas.
C'est qui ton acolyte préféré? What? J'ai jamais vu ça dans le test de pureté, moi. C'est chelou. C'est ça qui a fait la question, non? Tu fais exprès? Non? Tu fais exprès. C'est toi qui a fait la question. T'es excellent. C'est pour ça que j'ai fermé les yeux. Je t'adore. Mais ça marche pas, ça. Mais si, ça marchait, parce que t'étais là, tu réfléchissais. C'est incroyable.